Bonsoir chers téléspectateurs de Yetekan Prod, bienvenue dans votre émission 30 minutes chez vous, sur toutes les plateformes chez Yetekan Prod. Suivez-nous, dans un instant vous allez découvrir l'artiste en question. Nous sommes avec l'artiste Mouhaz. Mouhaz, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Ça va super, je vais bien. Bon, la journée, activité, Fénadi, capital, quoi. Ouais, Alhamdoulilah, ça va. Positif, on brave, voilà. Alhamdoulilah, ça marche bien, quoi. Ah, Dieu merci. Comme ça va. Au fait, aujourd'hui, toute l'équipe, mon marafa, moi, on sait, comme tous les artistes aussi, mon marafa fait colon, et la carrière, quoi, mon monde est un colon. Mais il y a un colon, et même Mouhaz, qui est Mouhaz, comment Mouhaz est venu dans la musique. Il fait quoi réellement? Parce que moi-même, je veux savoir. Maintenant, avant de commencer, quoi que ce soit, introduction, Wamaira, Fana, Son, Nambé, Apol, Mara, Pierre, Nara. Voilà. Introduction, Nambana, Son, Massinde, puis on enchaîne. Iton Toroma, Imon Nugen Futema. Dans nos cigarons, era yo munansa mayala. Awamara fanny qui bignan amphisa. Amour qui respect amphisa. Mara fanny qui bignan amphisa yo. Amoula moyo wungadambe. Amara de nara yo. Pierre inara. Zaoro nara. Handemara de nara. Amara de nara yo. Pierre Nara, Ami Mara, Zenara, Hande Mara, Nde Nara. Afende Nango Malangui. Elambeira Kolomara, Fanyi Nango Malangui. Anamugina Galibekbena, Naresawa, Manfangoma. Alokame Galibekbena, Narera Luerin Tamfama. Yaba Mama, Emon Nugen Yorama. Lassifi Mema, Yama Kolomambefa. Imon nuge naifala, iraiyo mumava. Awala mera kolonda wi munana, mara fanyi na mfindi da wira. Ila mera kolonda wi muna sono nyo, temeyo mara fanyi na mfawima amara, hapol mara, amara mara zauru nara, hande mara ndi nara. C'est bien. En Paul Mara, Pierre Nara. Un peu comme ça. Bon, c'est bien. Félicitations. Vraiment, j'ai aimé le son. Hey, comment c'est venu l'inspiration là, de chanter en Paul Mara, Pierre Nara? Parce que le son, là, parle de la réalité. Comment c'est venu cette inspiration? Voilà. Souvent, c'est une question que les gens demandent. Et d'autres même pensent que peut-être que je me suis inspiré de moi-même pour chanter ça. Ouais, l'inspiration peut venir de moi-même, mais ce n'est pas forcément que ça vient de moi aussi, au fait. Parce que l'artiste, ton inspiration peut provenir de toi, à travers la nature, à travers ton entourage, y compris tout ce que tu vois, au fait. L'inspiration peut quitter sur ça. Donc, c'est à travers l'alentour, les proches et l'actualité que je me suis référé pour que je puisse m'inspirer de cette chanson, parce que de nos jours c'est un cas qui est trop nombreux, en fait, tu vois, non, il a famille, tu t'adonnes, il fait modèle Bruntongo Abe, tandis que Atanya Sanagbetera, tu te bats corps et âme pour que Atanya la fin, mais tandis que Atanya Sanagbetera, faut par après face à Colosson Ayaku Ginanara, tu vois, non, ou bien que Guinée Fambara souffre Brimbenya Ferrat Ambassarena Adawia Nara, ou bien quoi. Donc,
Voilà, t'as mon adé. Ouais, Moise, maintenant, fais Barfolo. Je veux savoir comment Moise est venu dans la musique. Est-ce que ça a été facile avec la famille, avec les amis? Explique-nous un peu. Ok. Je me suis retrouvé dans la musique, mais j'ai pas commencé par la musique. C'est parce que j'avais aimé l'art. Donc, avec l'amour de l'art, j'avais commencé par la danse. Je ne m'attendais pas à y chanter d'abord, parce que la danse avait beaucoup cartonné à Conakry ici. La danse hip-hop, je ne parle pas de Namouila, la danse hip-hop, tu vois, non? Donc, en ce beau vieux temps, on a vu les Signflex qui ont fait un premier pas ici en tant que chanteurs, danseurs. Ils ont commencé, ils dansaient, ils ont commencé à chanter. Ça a été impressionnant. Beaucoup ont admiré, beaucoup ont aimé. Et on a vu pas à pas, Instinct Killer ont commencé. Les Instinct Killer, Black Killer, c'est intouchable. Tous ceux-ci se sont lancés. Maintenant, certains parmi qui étaient un peu bas, parce que nous, on n'était pas trop bas aussi, parce que déjà, s'il y avait des trophées sur la danse, on a été troisième en choc des filles en première édition ici au Palais du Peuple. Ouais. Donc, du coup, moi aussi, j'avais un grand qui avait un mini studio que j'admirais. Je ne quittais pas auprès de lui. Donc, il y a souvent le crew de Bénédicte qui venait derrière lui là-bas pour les maquettes, donc avec leur activité. Et donc, comme je ne quittais pas auprès de lui, l'affection de la musique m'a commencé à rentrer dans la tête. J'ai commencé à aimer la musique et je lui demandais à grimper comment chanter. C'est difficile, mais bon, il ne prenait pas au sérieux peut-être parce que c'était le départ, mais pas fini. Il a vu qu'il y avait trop de questions, je lui pose trop de questions. Il me dit, OK, quand si tu veux travailler, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça ce qu'il faut faire. Il s'appelle Phénomène, c'est un ami intime à Singleton. Actuellement, il n'est pas là. Donc, il m'a dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. J'ai commencé à partir au bord de la mer. Mais en ce moment, j'ai joué au ballon. Beaucoup s'attendaient. Beaucoup ne savaient pas qu'est-ce que j'avais commencé. Parce que ça a beaucoup pris du temps avant que je ne sorte la phase musicale, quoi. Vous voyez, j'étais en cachette. C'est après l'entraînement le matin, le soir. Comme ça, si je n'ai rien à faire, un peu, je pars me promener au bord de la mer. Je fais le peu qu'il me demande. Après un jour, il m'a dit, ah, bon, attends, on va voir ce que tu as fait comme exercice. Je vais te donner un son. Je vais voir ce que tu as fait. Maintenant, on a fait un enregistrement là-bas. Et c'était pas mal. Singleton même avait écouté. Il a dit ah, que bon, ton départ là, c'est pas tout. Mais si tu es courageux, ça pourrait aller. Vous voyez, c'est pourquoi tout récemment, quand on s'est rencontré pour le futur, il m'a dit tu es vraiment un combattant, tu es courageux. Parce que le moment que je t'ai vu là, je pensais pas si tu pouvais y arriver jusqu'à ça. Parce que je sais combien de fois la musique c'est difficile. Et moi, on pourrait pas te dire que c'était trop difficile pour que tu te retires. Parce qu'on ne sait pas le destin. Mais nous le savions, c'est trop difficile. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est surprenant. Donc, moi, pour mon soutien, en tout cas, on va faire ton featuring et Inch'Allah, ça va aller. C'est comme ça, à travers eux, je me suis retrouvé dans la musique et aujourd'hui, jusqu'à présent, on est dedans. Et Inch'Allah, ça grimpe pas mal aussi. Nous disons Alhamdoulilah parce qu'aujourd'hui n'est pas comme hier aussi et nous comptons encore, nous espérons le meilleur encore, Inch'Allah. Ça a été en quelle année? Et ça, c'était dans les bandes de 2010-2011 parce que j'avais commencé au lycée, mais c'était pas trop exposé. Mais c'est quand je suis rentré à l'université et bon, les choses ont commencé à changer maintenant. J'ai eu le courage maintenant de prester dans les petits shows du quartier. Et après, j'ai fait encore stand-by, profil bas, parce que ma mère a voulu le savoir. J'avais toujours peur parce que je ne voulais pas qu'elle le chasse d'abord. Le moment n'était pas venu parce que c'est quand même, elle allait le savoir. Mais le moment n'était pas venu. Tu vois. Il a fallu que je me prépare conséquemment, avoir un niveau. Pour que quand elle le sache, et puis qu'elle soit surprise en lui disant, ah bon, à ce niveau, à ce stage-là, c'est un peu difficile maintenant. Vous voyez, non? Et comme ça, j'ai géré la situation. Mais les gens qui me voyaient venaient dire, ah, ton enfant là, est-ce qu'il ne chante pas? Parce que moi, j'ai vu quelqu'un se ressemble, tu vois. La femme n'était pas d'accord, mais bon, vu que la situation, ça change un peu petit à petit, et leur mission d'études est finie, le diplôme est là. J'espère qu'ils savent que maintenant je dois suivre mon destin. Ça n'a pas été facile, mais finalement, alhamdoulilah, ils m'ont compris et ça va aujourd'hui, quoi. Ok, c'est bien ça. C'est pas facile. Comme le crâne avait dit, la musique, ce n'est pas facile. Mais avec le courage, la détermination, ça peut aller. Depuis que vous avez commencé la musique, vous avez dit en 2000, 2010, 2011, jusqu'à nos jours, quelles ont été vos difficultés rencontrées dans ce milieu? Bon, la difficulté,
Je peux dire que c'est pour la promotion d'abord, mais pour que je commence la promo en vrai dit, cela n'a pas beaucoup pris de temps. Tout, depuis que j'ai commencé, le temps de travail que j'ai fait n'est pas égal au temps de début du projet. Parce que j'ai longtemps duré avant de me lancer dans les projets de clips, de sons, vous voyez, non? Voilà, on a beaucoup pris du temps pour que les projets soient commencés à lancer, parce que ça fait partie. Commencer tous les projets ou bien commencer la musique tôt, c'est fondeux. Tu peux commencer la musique très tôt, tu commences tes projets de musique très tôt aussi. En faisant des clips, des sons, tu lances et tu peux commencer très tôt, mais les financements n'étaient pas là. Vous voyez, le fonds n'était pas là pour que les projets soient financés. Vous voyez, donc on a beaucoup trop duré dans ça, le manque de financement, manque de promotion, manque de management, on a beaucoup trop dans ça. Sauf tout récemment maintenant, ces choses ont commencé à changer et nous disons alhamdoulilah, et aujourd'hui nous sommes toujours sur la promo d'abord jusqu'à ce que nous puissions avoir un pied bien solide sur la terre et puis pour voir comment continuer. Oui, donc c'est un peu ça quoi. Et c'est le problème du financement qui nous a un peu trop fatigués au départ, mais bon, alhamdoulilah, les choses commencent à changer, ce n'est plus comme avant. Et nous disons Dieu merci, quoi. Nous sommes toujours sur la promotion pour que le pied fort soit solide sur la terre. Bonne chance pour la suite. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une équipe derrière vous? Une équipe dynamique qui travaille avec vous ou une structure comme ça? Ou un producteur ou promoteur? En tout cas, est-ce que vous avez une équipe? Ouais, je travaille avec un producteur, j'ai une équipe de collègues, mais pas une équipe professionnelle de management avec qui je travaille. J'ai une équipe de collectivité entre frères, on se donne la main, on se donne des idées, mais équipe managériale, professionnelle, je ne l'ai pas d'abord. Donc, on est en train de voir comment prendre les choses quoi. D'accord. Si aujourd'hui il y a une personne volontaire, la personne elle est prête de vous accompagner sur le plan management, est-ce que ça serait possible avec vous? Bon, ça pourrait être possible selon les projets et selon les contrats, selon l'ambition de travail. Parce qu'aujourd'hui je ne suis pas prête à travailler avec qui n'est pas prête à être là pour moi, à être m'accepter, à être me comprendre dans mes pensées. Parce que l'être humain, deux fois, c'est joli, deux fois, c'est un peu trop moche. Mais l'essentiel, il faut qu'on se comprenne, on s'excuse, on se pardonne. Vous voyez, donc il faut mieux connaître la personne et connaître ses ambitions, son projet, connaître sa capacité de créer des relations à travers les autres branches. Là, ça, j'espère qu'il pourra avoir une bonne chance. D'accord, c'est bien. En plus, et est-ce que vous avez des contacts avec certaines artistes ici, avec qui vous travaillez dans le silence, dans le noir? À part de Singleton, est-ce que vous avez d'autres projets avec certaines artistes connues? Bon, au niveau du featuring, j'avais fait un featuring avec Diamono. Mais oui, mais pour le projet de travail, le guide ou quoi, ça, c'est certains musiciens avec qui je travaille. Mais en tant qu'artiste, là, je n'ai pas pour le moment. Parce que ce n'est pas du tout trop facile. L'autre est concentré sur ses projets, focalisé sur ses projets. C'est un peu difficile qu'il soit là pour toi. Au fait, tu peux voir autrement, dire que bon, peut-être qu'il est méchant, or que ce n'est pas la méchanceté. Il a ses projets personnels aussi. Il a cette taf à faire aussi. Donc, j'en ai essayé. Bon, je n'ai pas eu la chance. Peut-être moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette personne, mais je peux pas dire que c'est la méchanceté. Peut-être que avec le projet, parce que souvent les artistes guinéens, avant que tu ne sois à un certain niveau, tous tes problèmes te conviennent. Tu gères beaucoup à ton niveau d'abord avant que quelqu'un ne soit là. Tu vois, quand il y a événement, le combat personnel, quand tu as quelque chose, un projet, il faut que toi-même tu t'arrêtes d'abord avant que, sinon sans quoi. En vrai, tu vois, tu devais être calme, rester posé, répéter et te préparer. Mais ce n'est pas le cas de l'artiste guinéen. Quand l'artiste guinéen a un projet, il doit s'arrêter plus que l'équipe même. Parce qu'on ne sait pas l'équipe qui est là. Parce que généralement, on travaille avec des équipes avec qui on a grandi. L'expérience n'est pas là. Mais
tu ne veux pas les trahir. Vous voyez, donc toi-même, tu es obligé de toucher certains points pour que vous cumulez ça, ça, toi, ça soit une force. Vous voyez, donc tu ne peux pas dire que tu tends vers un artiste qui t'aiguille dans le cadre, t'aider, te guider. S'il ne te donne pas cette chance, ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il a des trucs à faire. Donc pour le moment, je n'ai pas cet artiste à qui je peux me confier et dire que dans coulisses, on fait, il me donne certaines tactiques de faire ça. Je me débrouille et pour des questions de musique, de projet, je consulte les musiciens là, les musiciens pour ça, des amis. Pour... Je disais, il y a vous aussi, vous avez une personne parmi tant de ces artistes qui vous a motivé à chanter. Vous avez votre idole parmi ces artistes en Guinée? J'ai mon idole, mais je n'ai pas une personne qui, moi, m'a motivé à chanter. C'est pourquoi la seule personne que moi, je peux reconnaître comme me maître, c'est lui, l'ami de Singleton, là dont je parle. C'est la, l'ami de Singleton, phénomène. C'est lui la première personne qui m'a dit, c'est comme ça, il faut chanter. Et il faut savoir, même rap, d'un seul ça, c'est la cadence, c'est la seule chose là qui peut marcher dans toute la musique. À moins que les mélodies, les trucs, ça change. Je l'ai suivi, je l'ai écouté, j'ai fait comme ça. Et donc, pour d'autres choses, je me suis forgé à écouter beaucoup trop de musique pour, avec des anciennes musiques, pour que je puisse capter quelque chose de très important. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Sinon, j'avais essayé beaucoup, mais ça n'a pas été trop facile. Vous voyez? Bon, pour la nouvelle génération, je ne sais pas si vous parlez de la génération ancienne ou quoi, parce que si c'est pour écouter de la génération ancienne, j'aime beaucoup trop Étoile de Boulbine. Mpandi, je l'écoutais beaucoup. Sekouba Bambino et Brou Diabaté. Ceux-ci, ils étaient un peu nombreux. Parce qu'il y avait trop... Si on parle de la nouvelle génération, mon idole, c'est Issa Diabaté. Issa Diabaté. Issa est un créole compétent. C'est le génie, je ne sais pas quoi dire, en matière de live. Il fait partie parmi les trois premiers artistes. Hein. Issa, est-ce que vous êtes en contact avec Issa Diabaté? Oui, 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 on est en contact. Pas pour le moment un projet. Bon, pour le moment, il n'y a pas un projet en place. Pas un projet en place. D'accord. Maintenant, vous allez nous proposer un de vos titres qui n'est pas encore sur les plateformes. Et puis, nous allons un peu écouter de ça. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tona ya rungbo fe nanane toro fe ntona yo bulubulu fe amasa de to fe fati awone men nitam barage sode wodi antama yo barage dorode o wakilo ya tagiala yo men nitam muramagama o wakilo ya tagiala yo kene migi wanyi muramagama muramagama Nita muramagama ye muramagama nkenenga megonyi muramagama muramagama nkenenga megonyi muramagama iyenta mutushema nkene migi wonyi tamutushema mudirange ma menita tamudirange ma na menita nkasimuna golima ngayem fihi yinama Babem firi ginama, imatonga bilem firi ginama yo, fante dorama menina. Awana menitan, je suis intouchable. Nana menitan, je suis intouchable. Oh, akilo ya tagi ala yo, nita muramagama. Kana migi ronyi muramagama, 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 yeah. Ok, c'est bon, c'est pas sorti d'abord, c'était juste une surprise. L'avant-goût. Le son est dédié à toutes les femmes de ma Guinée. Omuramagama. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous vos fans à travers le monde? De près ou de loin, ceux qui veulent vous aider ou ceux qui vous suivent,
Quel est le message que vous pouvez leur donner? Bon, je leur dis toujours de rester connectés et de me suivre de près, Inch'Allah. Ils seront honorés et de faire confiance. Et on a juste besoin du temps et Inch'Allah, le temps va résonner. Parce que le talent qu'on a, seul Allah a pu donner et c'est seul Allah qui va grandir. Et nous les implorons chaque jour, nuit au jour, pour que ça aille bien. Donc, ne vous désespérez pas, suivez-moi, donnez la force, abonnez-vous à toutes nos plateformes, sur tous nos sites, Inch'Allah. Les meilleurs choses seront là et vous serez satisfaits. Restez connectés, ne quittez pas sur la page, sur sa chaîne. Un peu le tout. Mouraz arrive dans sous peu de temps. Et maintenant, je vais vous proposer un titre comme d'habitude. Je sais que c'est le jeu de l'émission. Vous le savez déjà? Et je vais vous proposer un titre. Vous allez... Bon, un son pour tous les orphelins. Les orphelins de la Guinée. Ok. Wow, wow, wow. Yanni yo miskine dango. Ah, wo miskine sutura. Yanni yo miskine dango yo. Enganwe ye bay munana wo miskine sutura yo. Ah. E yatiri wo tanana. E bonya tiri wo tanana. Ayanu yo sefima ina maragata iyetebe. Miskine dangung iwe masugu sono yo. Alanu erifima na maragata yo iyetebe. Wa miskine dangu yo wewe masugu yo dunia ba. Barima enga wata nana. E baba wata nana. Ima tonyo katide yo mebe. Awana renge muna na yala. Wa sabari yandiyo alana lagirigi. Imato ala ting sese mayo na 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 ba ya. Londe o masugu maya to fama ne dunia maya. Awarama o miskine dangu. Orphelin yo o ne fan sutura ye. Ai ye. Oh. Onga fini diye na na. Ala sende fime ma irakolo ikeren tangbe marala. Mirinde nana anagbe somane yi. Adamande nana anagbe fimane maya. Jakaba iraso miskine yira. Yandi sede gaba yo iraso miskine yira yo. Inamara gata yo yandi kerembe ikerengana fa halumara londi. Iden tagemane mengebe aligia mafanya lorande nanara ansarefi menge lorande nanara duniyama. Quel talent, je dis bien quel talent. Vous attendez quoi? Venez investir sur l'artiste. Quel talent, un incroyable talent. Moi je prends pas ça comme de la musique mais plutôt un concert. Ça c'est un conseil pour les personnes stables financièrement, aider les orphelins, les personnes démunies, un peu comme ça. Mouraz, merci, c'est un plaisir. Maintenant, avant de clôturer l'émission, je vais vous proposer le nom de 5 artistes ou personnalités. Vous allez décrire ces personnes, parler de ce que vous avez de ces personnes. Et on est d'accord? Je commence. Issa Diabaté. Bon, Issa Diabaté, déjà, c'est une idole. Et je trouve pas, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans voir ce qu'il fait, sans aimer ce qu'il fait. Donc, de façon caractère, je l'admire beaucoup. De sa simplicité, je l'admire beaucoup. De son courage, y compris. De sa façon de chanter et surtout c'est émouvant quand il est en live parce que je l'aime beaucoup, je l'aime naturellement
et je dirais il est super bien. Et maintenant, Azaïa. Azaïa aussi, c'est un grand monsieur, un grand respect à lui. Et aujourd'hui, qui fait grimper la musique guinéenne à l'échelle internationale. Et c'est pas parce que j'aime l'autre est une idole que je peux pas les aimer, parce que moi j'aime tous les artistes, parce que c'est l'art, c'est pas du tout facile. Et Azaïa, c'est un grand monsieur que j'ai du respect aussi pour lui. Je le considère beaucoup, je le kiffe beaucoup trop même. Et aujourd'hui, c'est une fierté guinéenne à l'international. Et par son courage, par son immense talent, je dirais qu'il peut encore mieux faire, parce qu'aujourd'hui, il nous donne encore le courage de mieux faire comme lui. Vous voyez, parce que quand nous le voyons aujourd'hui au casino de Paris, un peu partout dans l'Afrique, ça nous donne aussi le courage, la force de travailler quand nous aspirons mieux encore aussi. Donc, je lui dirais grand merci à lui, car c'est en tout cas une phare pour la musique, pour la nouvelle génération. Bénédicte Record, le vieux mongol, je lui dirais encore grand merci, qui a fait tant de choses pour la jeunesse guinéenne, qui s'est donné corps et âme. Et dès qu'il y a un problème à ton niveau, par exemple pour un concert, ce qu'il peut pour toi, il le ferait, y compris la sonorisation, le podium ou autre chose. Il est toujours là pour la jeunesse, pour les artistes. Ce n'est pas seulement pour les produire, mais en tant que papa, en tant que père. Donc, je lui dirais encore merci, Bénédicte Record, merci le vieux. Et merci d'être toujours là. Parce que quand tu fais du bien à un artiste, parce que tu as fait pour tout le monde, et il est toujours là, il ne se décourage pas de tes jours. Donc, nous lui dirons un grand merci. Djamounou. Voilà, Djamounou, la Benjamin, la Lyon. Moi, je la dirais la plus généreuse, la très sympa, la plus généreuse, qui n'a pas de problème, qui aime tout le monde au même niveau, qui considère ses frères artistes, qui ne consiste pas aux questions d'âge ou aux questions de succès. Parce que d'autres respectent leurs collègues ou leurs petits frères à travers le succès ou quoi. Mais lui, il n'a pas de distinction chez les gens. Il respecte tout le monde, il considère tout le monde, il donne la force à tout le monde tant qu'il peut, tant qu'elle peut. Donc, je la dirais grand merci. Je l'aime tellement, je l'aime beaucoup de tout mon cœur et je la considère vraiment. C'est comme une sœur pour moi. Et donc, vraiment, si elle me suit, je la dirais encore qu'Allah la donne une très longue vie et santé et prospérité. Hey, l'ambassadeur Grand P, le président. Grand P, là, on ne va pas en parler, hein, parce que Grand P, il a grimpé un autre niveau que nous tous, on a vu, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. C'est Dieu qui grandit, c'est Dieu qui fait l'homme, et il faut croire en soi. Il faut croire en soi, même si tout ce que tu fais, il n'y a pas de sous-métier, il faut croire en soi. Et de nos jours, Grand P fait partie l'un des plus grands influenceurs de l'Afrique. Et ça, nous le reconnaissons, ça c'est la fierté guinéenne, ça c'est une fierté pour nous. Et qu'Allah lui guide encore, et merci à Alpha aussi qui est là pour Grand P. Tous font partie de progrès de la culture guinéenne, donc merci à lui. Mouaz, je suis très fier de vous. Je vous souhaite encore, une fois encore, bonne chance. Il faut toujours travailler, redoubler d'efforts. Surtout avoir une équipe dynamique derrière vous, car vous avez du talent. En tout cas, vous faites la fierté de la culture guinéenne. Malgré vous n'êtes pas aussi connu comme les Singletons, mais moi, je sais personnellement que vous avez du talent. Ce n'est plus encore long. Vous êtes à la phase presque, donc redoublez d'efforts. C'est un plaisir de passer dans cette émission 30 minutes chez vous. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé. Ça fait un grand plaisir, moi aussi, car c'est pas du tout facile de se déplacer très loin, venir rencontrer un artiste dans son bas quartier, être là à promouvoir sur ses projets. Et donc, je dirais grand merci à toi et ainsi à mon réalisateur. Qui est là, qui nous suit de près, qui nous cadre déjà. Et donc, vraiment, merci à toute la famille, merci à toute l'équipe. Et je vous invite à suivre toujours l'émission Yatekan. 30 minutes chez vous avec Yatekan Prod chez Papa Ito. Donc, vraiment, merci. Big love à vous. C'était l'émission 30 minutes chez vous avec l'artiste Mouaz. Ici, Papa Ito, co-cadrage, le grand caméraman MC. Et merci à toute l'équipe Yatekan Prod. On est ensemble. Ciao.